suis arrivé, il y avait 6 personnes qui étaient employées et toutes les activités étaient artisanales. C'était une entreprise d'herboristerie qui se trouvait à l'arrière de la pharmacie de mon père. Et j'avais le rêve de développer les activités pour devenir le spécialiste de la phytothérapie en Belgique, ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous sommes 185 personnes. Le chiffre d'affaires a été multiplié presque par 100 en 35 ans. Alors bien entendu, il est indispensable d'avoir d'excellents produits, sinon ils ne se vendent pas. Mais on a beau avoir d'excellents produits, si on n'a pas en plus un excellent marketing et une excellente force de vente, on ne vend pas. Le marketing est indispensable pour mettre en évidence les avantages des produits. Chez nous, c'est surtout un marketing scientifique qui passe par des études cliniques, par de la délégation médicale, par des participations à des congrès. J'ai été le premier délégué de l'entreprise, un jour par semaine pendant 6 mois. C'est moi qui ai visité des pharmacies. Ça m'a permis de comprendre exactement comment ça pouvait marcher, à quelles conditions. Là-dessus, j'ai recruté une équipe de 5 délégués qui ont assuré notre croissance progressive. Aujourd'hui, nous avons 15 délégués qui visitent les pharmacies en Belgique. C'est la plus grosse force de vente belge en pharmacie. Oui, il faut d'excellents produits, un excellent marketing et une excellente force de vente. Ça, c'est le trio gagnant. Quand on a la triple excellence, alors on est performant.